Il y a bien longtemps, dans un petit village enneigé, une semaine avant Noël, Marek et Jules étaient en train de décorer le sapin, car c'était bientôt Noël. Tout à coup, Marek et Jules ont entendu un bruit dans les escaliers du sous-sol. Ils sont descendus au sous-sol et ils ont soulevé la machine à laver. Ils ont vu que c'était un rat. Et quand ils sont remontés, désastre, le sapin avait disparu. Ils ont trouvé un grelot sur le tapis et Jules l'a secoué et le Père Noël est apparu. Et il leur a demandé s'ils ont vu un des lutins. Mais les deux frères ne l'avaient pas vu. Il leur a expliqué qu'il avait demandé à un de ses lutins de faire un sapin. Donc c'était peut-être lui qui avait volé le sapin. Le Père Noël a localisé le lutin, mais celui-ci était perdu dans la forêt. Du coup, le traîneau est passé, chercher les enfants, et puis ils sont allés à la recherche du lutin qui avait le sapin. Ils l'ont cherché partout dans la forêt, et ils l'ont retrouvé. En effet, c'était bien le lutin qui avait le sapin. Marek a coupé un autre arbre de Noël. Et puis, ils sont allés au pôle Nord et ils l'ont tous décoré. Et quand ils ont fini, le Père Noël les a ramenés chez eux avec leur sapin et ils ont vécu un très joyeux Noël.